Bonjour à tous, bienvenue au Pêche de Solo. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie. Troisième partie du. La suite de Arcane version 2. C'est un peu particulier pour cette session puisque je la reprends au complet. Je reprends la troisième partie au complet. J'avais déjà fini la partie, je l'avais gagnée en fermant tous les portails. Et en mettant ma vidéo en ligne, je me suis rendu compte que la dernière demi-heure était complètement disparue. J'ai jamais compris pourquoi ma caméra a arrêté de fonctionner. Mais j'avais comme la dernière demi-heure elle n'était pas là, ben ça avait aucun sens de laisser ça comme ça, sans la vidéo sans fin. Donc j'ai décidé de tout reprendre à partir du début de l'épisode 3. Donc ça n'a pas été facile de revisionner et de faire sûr que j'ai tous les bonnes cartes, les bons monstres, le portail, tout ça. Je crois bien avoir réussi. Peut-être une erreur ou deux s'est glissée comme ça, mais je crois bien avoir réussi. OK, donc on va résumer autant pour vous que pour moi, puisque ça fait comme une semaine que j'avais terminé. J'ai décidé de reprendre la vidéo pour terminer tout ça. Donc, il y a trois portails d'hiver présentement. Trois portails d'hiver, un ici et des deux là. On a deux portails décelés, Squad d'indépendance et l'innommable. Et on a cinq monstres dans les rues d'Arkham. Donc quatre dans les rues, un dans le ciel, deux dans la périphérie. Et on a Daryl qui est encore perdu dans l'espace. C'est la deuxième fois qu'il se retrouve là dans la partie. OK, la carte mythe. Carte mythe qui n'a qui pas grand effet en réalité. OK, donc on était rendu au premier joueur, c'était Kate Winthrop. Bon, Kate, elle a beaucoup d'argent. Elle est dans Outremont, présentement, au plateau de Laigne, au premier stage. Donc, je bougeais ça ici, de 1, comme ça, venant qu'elle a un test de vitesse de discrétion, elle sera égale, elle sera balancée, comme ça sera... on verra bien. OK, donc c'est tout pour Kate pour l'instant. Ah non, qu'est-ce que je fais là? Je viens de me rendre compte. Mais oui, on va prendre plutôt, dans son mouvement, on va plutôt utiliser son sort, trouver le portail. Donc, je vais laisser ça ici, plutôt. Puis, je vais plutôt mettre son savoir à 5. Son savoir à 5. Comme ça, elle pourrait lancer le sort ici et tout de suite aller rejoindre le portail. Donc, sauver du temps, sauver au moins un tour, faut vraiment, c'est très précieux, les tours perdus dans ce jeu-là, c'est mortel, et voilà pourquoi que lui, il n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant. Donc, elle va faire relancer un sort, trouver le portail, pour elle, c'est ce qu'elle va faire, donc j'ai augmenté son savoir. À part ça, le prochain poste, ça va être Mandy qui... ceci des historiens. Moi, j'aimerais bien qu'elle aille fermer le portail ici, celui-là. Je recommence un peu ce que j'avais fait dans l'autre partie d'avant qui était facile. Mais 1, 2, 3. Trois mouvements pour se rendre. Elle en a plus qu'il n'en faut. Elle est à 4. Je vais lui mettre ça à 3 pour l'instant. Elle est juste 3 de toute façon. Pour le reste, la chance, tout ça, j'ai comme beaucoup de tests sur la chance hein, dans l'autre monde. Hein. Je vais prendre une chance, quel beau jeu de mots, et monter ma chance à 3. OK. Après, ça va être Daryl, c'est très simple, on va le redresser dans la phase de mouvement et dans l'autre tour durant l'entretien, on l'amènera à l'asile. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, on va laisser ces taquets ici comme ça. C'est bien correct. Et Dexter, plutôt. Lui, il est apparemment à l'asile d'Arkham. J'irais bien lui faire chercher l'indice au relais routier. Non, je peux pas. Mais non, je peux pas à cause de ces deux monstres-là. Ils sont vraiment... Ils sont trop difficiles. Hein. Vous vous rappelez, c'est pas qu'ils ont des gros modificateurs de combat ou d'horreur. Mais ils font perdre beaucoup de dégâts si on ne l'a pas. Son cauchemardesque, soit qu'on perd la santé mentale de toute façon, ou si on perd la résistance de toute façon,
trois touches pour les tuer, les deux, ça commence à être compliqué. Vraiment. Donc, ces deux-là, je me tente pas trop d'aller les voir. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, notre Dexter? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il ne peut même pas se rendre au portail qui est là. Il y a juste 1$. 4 indices. Ouais. Ah, ben non, il peut se rendre. Ben oui, il peut se rendre. 1, 2, 3. OK, il va se rendre là. 3, pas 3. Je l'avais pas vu. Bon, 3. OK, ce 3, ça va, il l'a déjà. Je vais baisser son savoir. Ben, il n'y aura pas à se battre hein, pour l'instant. Je vais baisser son savoir, puis je vais mettre ça ici comme ça. OK. OK, c'est bien pour la phase d'entretien. Je ne vois pas d'autres actions que j'ai à faire. Est-ce que... cette carte-là de Mandy, elle a tellement trop de mouvements. Malheureusement, on va le faire à un autre moment. À un certain moment, il faudra le faire, utiliser ce tome-là. Mais je ne pourrais pas ce tour-ci, malheureusement. OK. Bon. Ah, puis je voulais vous dire aussi, le grand ancien, on se rappelle, il y a 5 jetons sur sa piste. Donc, je peux en poser encore 8. Au 9e, ben, ce sera la fin. Mais je pense pas. Je crois que. J'ai bon espoir de gagner une autre fois. J'avoue que j'avais été un peu chanceux l'autre partie, vraiment. En fermant tous les portails, ça avait été assez rare que je gagne de cette façon-là. Je gagne plutôt dans l'ancien des portails. OK, bon, c'est bien. On y va avec Kate, comme je vous disais. Kate qui ne fait que... Ben non, c'est pas Kate parce qu'elle est dans l'autre monde. On commence toujours les mouvements d'Arkham. OK. Mouvement d'Arkham, ça va être Mandy qui va le faire en premier. Donc, 1, 2, 3. Elle sera au portail. Après, c'est Daryl. Daryl, sans son mouvement, on a dit que tout ce qu'on faisait, c'était le redresser. Il n'est pas un Arkham en réalité, mais bon. Comme qu'il ne fera rien d'autre de toute façon... On peut le faire. Dexter, on y va pour 3. 1, 2, 3. Il prend l'indice. Maintenant, 5. Bien, il aussi insigne les anciens. Hein. Ça va servir. Là, je le mets dans le portail après. Si les monstres peuvent finir par bouger, on verra bien. Et maintenant, tout mon arcane va bouger. Ça serait maintenant Kate qui va bouger de 1 ici. Bon, les phases rencontres. La phase rencontre. Kate, on va attendre, on va faire les rencontres autre monde un peu plus tard. Donc, Mandy, elle rencontre le portail, elle s'en va citer la grande race. Oui. Espérons qu'il y aura plus de chance que Daryl. Daryl, plutôt. Daryl fait rien. Dex. Va faire une rencontre au relais routier. Donc, on va aller chercher les cartes correspondantes. Ces cartes grises, c'est bien ça. Ouais. OK. Donc, ces cartes-là. OK. Il va pour le relais routier. OK. Vous faites une partie de carte amicale, entre guillemets. Vous faites un test de chance, moins 1. Lui, il a 2 en chance. Ouais, il a 2 en chance. Je vais aller chercher ma piste de dés que j'avais oublié d'amener avec moi. Donc, 2 en chance. Il va lancer un dé. Ça, on le sait déjà. OK, ben si vous réussissez, on gagne 5$. Sinon, on perd 3$. J'ai 1$. Si je perds, je peux pas payer. Je perds une résistance et je vais dans la rue. Oh, non, dans la rue. Ah là là, dans la rue. Si je vais dans la rue, là, il y a peut-être le biaki qui va me tomber dessus. Ouais, puis il y a peut-être eux aussi. Je tombe, non, il suffit juste qu'un...
C'est juste que ce monstre-là tombe sur un noir, puis ou lui, là, puis c'est pas une bonne chose, hein. Ouais, le relève aussi d'Abe m'a pas donné de facilité. Ok, je vais lancer donc un dé seulement. Et espérons un succès, s'il vous plaît. Oui! Oh, qu'est-ce que je suis content. Oh, pour un dé, ça commence bien. Ok, mais ça ne dure jamais longtemps la chance dans ce jeu-là. Jamais longtemps. Donc, il gagne 5$, notre Dexter. Avec une partie de carte amicale. Donc, on y met un petit 5$. Et c'est terminé pour lui. Ok. Après ça, on est rendu dans les rencontres Autre Monde. La première à jouer, ça va être Mandy. Non, la première joueur, non, c'est Kate. Kate, tout parce que c'est celle qui a joué le premier joueur. Donc, Kate va jouer. Elle a besoin d'une carte rouge ou vert. Ok, on va aller chercher les cartes. Bien, venez. Bon, rouge ou vert, on y va. Rouge ou vert. Bleu, non. Jaune, non plus. Vert. Vert au plateau de laine. Oh, j'ai quelque chose d'écrit ici. Le pont branlant s'écroule quand vous passez dessus. Réussissez un test de vigueur -1 pour vous accrocher et trouver une relique de l'autre côté. Piochez un objet unique. Si vous échouez, vous sombrez dans les ténèbres, vous êtes perdu. Ça finit plus d'être perdu dans l'espace. Ok, vigueur. Vigueur, elle a 2 en vigueur. Oh my god. 2 en vigueur. Elle a 3 en vigueur. Il y a son allié Thomas Malone qui lui donne +1. Donc elle a 3 en vigueur, donc -1, elle va lancer 2 dés. Ah là là, 2D. OK. Espérons qu'on a encore de la chance. 2D. Let's go, let's go, let's go. Accroche-toi. Kate, accroche-toi. Oui, elle réussit. C'est super. Super. Donc, on a dit que on a réussi à s'accrocher. Le pont a tombé. Ouf. Puis ils réussissent à s'en tirer et on pioche une relique, donc un objet unique. Qu'est-ce que ça sera? Ce sera un masque à blême qui nous donne +2 au test d'évasion. Il n'y a pas de focus tout d'un coup. Ouais, regardez sa tête. C'est pas un masque que j'aimerais porter personnellement, mais bon, ça nous aide au test d'évasion. Donc c'est Mandy qui a ça, Kate qui a ça. Regardez comment elle a beaucoup de cartes, elle. Vraiment beaucoup de cartes. OK. Bon, ben tant mieux. Mais qu'est-ce que je fais? Non, mais j'ai mal joué. Mais non, mais j'ai dit que j'allais utiliser, trouver le portail pour le. Puis je ne l'ai même pas fait. J'avais supposé faire ça. J'ai été trop vite. J'ai même pas fait ça. Bon, je vais vivre avec mon erreur. Je reculerai pas puisque j'ai joué beaucoup trop. J'ai joué à d'autres personnages après. Et ça m'énerve. J'ai carrément oublié. Puis pourtant, je venais de le dire. Hein. Bon, mais OK, c'est comme ça. Vraiment. Mandy, elle se trouve à la cité de la grande race. Donc, elle, c'est les cartes vertes et jaunes. Vertes et jaunes. Jaune. Un monstre sort des ténèbres. Ah ben, tout simplement. Ok, bon, on affronte un monstre. On sort des ténèbres. Il se cachait dans la cité de la grande race, il n'attendait que moi. Ok, quel monstre? Quel? Il n'y en a juste qu'un trophée de monstre, hein? Il aura un deuxième, ça lui ferait... C'est une goule. Bon, c'est bien. Ça peut être pire, beaucoup pire que ça. Donc, une goule. Modificateur de volonté 0, elle a. Ouf, comment elle a volonté 4. 4 en volonté. Donc, on va lancer 4 dés. 1, 2, 3, 4. Un succès, heureusement. Un 6. Ok, elle réussit le test d'horreur contre cette goule. Une goule qui est en embuscade, donc elle n'aurait même pas pu se sauver de toute façon.
OK, moins 1, et là, mais cependant, en vigueur, elle n'a que 1. Mais là, le fouet qui donne plus 1 et le couteau qui donne plus 1, elle aurait 3D. Elle aurait 3D. On mettrait pas de la dynamite pour une gousse, c'est vraiment trop, là, c'est plus 8, là, ça n'a aucun sens. Mais elle lancerait donc 2D. Elle a 3 moins 1, 2. Et son fouet lui permet de relancer un dé si ça fonctionne pas. OK. 2 dés pour se débarrasser de la goule. C'est pas beaucoup, hein? Vraiment pas. Mais elle réussit pas. Elle va décharger son fouet pour relancer un dé. Ah non! Et elle fera rien. Elle fera rien d'autre. Donc, elle va perdre une résistance. La goule lui la blesse. On va continuer. On va relancer les 2 dés. Le test d'horreur, on ne le fait pas. On ne le refait plus. Mais on va lancer les 2 dés. Bon, cette fois-ci, ça fonctionne. Elle a une touche. Donc, elle réussit à buter la goule. Très bien, ça lui fait un trophée de plus. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour les rencontres dans l'autre monde. Bon, on y va avec la phase mythe, la carte de mythe. Carte de mythe qui se joue ici. Ok, c'est un portail qui va apparaître dans les bois, mais il y a déjà un portail dans les bois. Donc, c'est une invasion de monstres. 4 monstres vont apparaître. Donc, 4 monstres apparaissent. Comme je vous disais, j'en ai déjà 5. 5 dans la. Donc, je peux juste en faire apparaître 2 dans la ville. Ça va faire 7. Et 2 dans la périphérie, ça va faire 11. J'étais à la limite. La limite. OK. Là, vous voyez ça, cette carte-là, là. Je l'avais déjà eu dans la partie d'avant. C'est parce que j'ai rebrassé les cartes de mythe. Bon, comme que je l'avais. Non, mais regardez. Comme que je l'avais. Je venais de l'avoir. Je me rappelle à l'épisode 2, c'était la carte juste avant ou l'autre avant, mais elle est apparue vraiment très, très, très. Il n'y a pas si longtemps. Donc, comme que j'ai brassé les cartes, elle réapparaît. Normalement, elle ne devrait pas être réapparaît. Donc, je me conseille, je devrais en prendre une autre puisque celle-ci était vraiment. Normalement, elle n'aurait pas dû apparaître là. Donc, normalement, ça devrait être une nouvelle carte. Donc, on va prendre une nouvelle pour faire sûr que c'est. Bon, celle-là, je n'ai jamais eu. La faveur de Nodem. OK, bon, c'est une maison de la sorcière. Bon, c'est la même chose, hein. Il y a déjà un portail d'hiver là. Donc, c'est exactement ce que je venais de vous dire. On va prendre 4 monstres. Donc, un qui va apparaître à un portail ici. Malheureusement, j'aurais mieux aimé qu'il n'y ait aucun monstre là, de toute façon. Et un autre qui apparaîtra au portail dans les bois. Et les 2 autres apparaîtront dans la périphérie. OK. Donc, le premier qui apparaît dans la maison de la sorcière, ce sera. Ouf. Ben, une sorcière. C'est fou. C'est bizarre, hein? OK. Dans les bois. Pas un loup-garou, tant qu'à faire, mais le générique, il n'y a pas de loup-garou là-dedans, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, celui-là, il est tough. Lui, là, on ne veut pas l'avoir. Hein? Donc, on ne veut pas l'avoir. Bon, mais parce que, regardez, quand. C'est un des plus. Tant qu'à moi, un des plus difficiles. Résistance physique, cauchemardesque, irrésistible. Écoutez, une vraie saloperie. On va le mettre ici, dans les bois. Et là, on va en racheter 2 autres ici. Et on va atteindre. On est carrément à la limite. Un monstre de plus. Et c'est l'échelle de terreur qui augmente. Donc, les deux qu'on va mettre. C'est ces deux-là. Un migot. Oups. Et un maigre bête de la nuit. 2 monstres volants. Il y a apparu beaucoup de monstres volants. Il y a apparu 3 monstres volants sur 4 dans ce. Et voilà. Et c'est comme ça. OK. Un indice apparaît
à la Caverne Noire, malheureusement non, puisqu'il y a déjà, un portail ouvert là. Une sorcière ici, une sorcière là. Hein? C'est beaucoup de sorcellerie. Bon, les monstres, barre oblique, triangle, étoile et hexagone. Bon, barre oblique, j'en ai un. Barre oblique, il bouge sur le blanc. Ah, le barre oblique, ok, lui, il s'en vient à French Hill. Bon, il fait tomber Daryl. Daryl revient ici. Ok, après ça, triangle, est-ce que j'ai des triangles? Laissez-moi voir. Losange, rond. Hexagone, ah oui, hexagone, j'en ai un. Hexagone, bouche sur le noir, donc lui s'en va tout de suite dans le quartier résidentiel. Non, il s'en va dans le ciel. Dans le ciel, il va rejoindre le Biaki. Ici, ben, on ne touche pas ceux-là. Ok. Je vais les mettre comme ça. Comme ça, quand je fermerai un portail, je verrai ce qu'il y en est. OK. Bon, je pense que tous les monstres ont bougé, puisque ce que j'ai, c'est des ronds, losanges. OK. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Sceller un portail coûte 2 indices d'un mot. Ben, wow! Ben, ça, là. Écoutez, si seulement ça pouvait rester là, et la part, une carte d'environnement, si seulement... Cette carte-là pourrait rester super longtemps. Là, ça serait très bien mon affaire. Hey, trois indices pour fermer un portail, là, c'est énorme. Ça serait tellement bien. OK, ben il n'est pas apparu de portail, donc je ne mets pas de pion sur le pion grand ancien sur la piste de Stein. C'est déjà une bonne chose. Et on est rendu maintenant, on commence un autre tour. Donc, le premier joueur, ça s'appelle Kate, ça va être Mandy. OK. Mandy qui est dans l'autre monde ici. Bon, Mandy, j'ai mis sa chance, je la laisse comme ça. Quand elle s'en ira plus tard, on va recharger sa carte ici, cependant. Quand elle ira fermer le portail, on n'aura pas le choix d'utiliser son savoir, parce que c'est elle qui a le... C'est là, c'est 4. C'est elle qui en a le plus. C'est mieux que la vigueur, en tout cas. Bon, on va laisser ça comme ça. Quoique... Non, je vais le monter à ici. 1, parce que tantôt, il faut que je le monte de 2. OK. OK. Peut-être mettre ça ici, comme ça. Tiens. Bon, Daryl, lui, il entretient ce qu'on fait, ce qu'on l'amène à l'asile. Et voilà. Bon, lui, il va se guérir avec son argent. Il va retrouver sa santé mentale. Fait que lui, pour l'instant, j'ai pas vraiment rien à faire avec lui. Je vais le laisser comme ça. Dexter, lui, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec lui? Ouais, le Shagot est trop difficile encore. Même le fantôme, c'est... Un sort de flétrissement... Ça lui coûterait un santé mentale. Là, parce que j'aimerais bien qu'il aille fermer un portail, Dexter. Écoutez, il y a un signe des anciens, il y a 5 indices. Il y a vraiment beaucoup. Pour se rendre là, mais il faut qu'il passe à travers cette heure-là. Est-ce qu'il est capable d'y aller? Il perd une santé mentale en partant. Résistance physique, c'est pas grave puisqu'il y a des sorts. On se fout de sa résistance physique. Donc, sa volonté, est présentement, il faudrait que je monte sa volonté en espérant qu'il réussisse. Après ça, parce qu'il perd 3, ce serait l'enfer. S'il perdrait 3 en santé mentale, ce serait très, très malheureux. Après ça, le test de combat, il pourrait prendre un sort de flétrissement peut-être. Et se faire un plus 6, je crois. Plus 6. Moins 1, c'est un plus 5. Plus sa vigueur, qui serait à 1, ça ferait... Il faudrait qu'il fasse 3 touches en 6D, c'est beaucoup. C'est vraiment pas sûr.
Est-ce qu'il peut s'en sauver? Moi, il pourrait s'en sauver. C'est, ah, ben peut-être qu'il pourrait faire ça. Mais il y a 1, 2, 3, 4. Puis c'est une sorcière là-bas qu'il va falloir qu'elle affronte aussi. Ça commence à faire moins trop, my god. Ça commence à faire beaucoup de... Ouais, pauvre Dexter, je sais pas trop quoi faire avec lui. Je sais vraiment pas trop quoi faire avec lui. Il est comme pris au piège, au relais routier, là. C'est vraiment... Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'occupe du Shogot? J'ai beaucoup d'indices pour lancer des dés, c'est toujours ça. Me sauver du Shogot, hein? Pour faire quoi? Un, deux, trois. Trois mouvements. Sorcière, elle a un dé. Ok, on va essayer ça. On va essayer de passer à travers la Shogot, de l'éviter. J'aurais 3 en discrétion. Je lancerai 2 dés pour m'en sauver. Si je réussis pas, ça ferait mal. J'aurais 3 dégâts. 3 dégâts, j'ai 3 en résistance. Donc 3 en dégâts, ça m'amène directement à l'hôpital. J'ai beaucoup d'indices, hein? Beaucoup d'indices. Ce serait bien dommage d'en gaspiller. Ouais. Mais je peux pas rester là, ça n'a aucun sens. Ok, je vais faire le... Ouais, j'ai pas le choix, je vais prendre une chance. Je vais avec ma discrétion à 3. Je vais essayer de me rendre au portail dans la caverne noire, puis faire mon possible. Ok, donc, volonté étant 1, est-ce que je fais un test de volonté, moins 1, je ne peux pas manquer ma volonté. Si je me sauve, j'ai pas besoin de... Ouais. Ça pourrait mal tourner, ça, là. Ou que ça pourrait mal tourner. Ouais, je vais prier, allumer des bougies pour qu'il parle, pour qu'il réussisse. Donc, Dexter, il va falloir qu'il soit très, très discret pour passer à travers le Shogot. Je lui souhaite de passer. Kate, elle retourne au portail. Son savoir, je le laisse comme ça, est au max. Elle va rencontrer personne dans les bois, il n'y a aucun... Donc, ça va aller pour elle. Mandy, elle va avancer là, je vais le laisser comme ses capacités comme elles sont. Et Daryl, lui, il va simplement dépenser de l'argent pour trouver sa santé mentale, c'est tout ce qu'il va faire, donc il reste là. Ok, c'est tout pour la phase d'entretien. On va y aller pour la phase de mouvement. Mouvement, Arkham. Mandy, c'est l'autre monde. Daryl ne bouge pas. Donc, c'est Dexter. Dexter, il va essayer. Il fait un pari. Il y a trois mouvements, 3 en discrétion. Donc, 3 mouvements, il s'en vient ici. 3 mouvements, il s'en vient ici. Mais il faut qu'il s'évade du Shogot ici. Il arrive dans le quartier S. Il y a Shogot dans les rues. Et notre Dexter doit tout faire pour s'en sauver. Ouais. Je prends une chance, mais en réalité. Parce que si Kate finit et ferme ce portail-là, ben le Shogot va disparaître, hein. Il faudrait juste attendre un tour, mais un tour, comme je vous disais, un tour, c'est précieux. OK. Je vous disais, il a 3, donc je vais lancer 2 dés.
et espérer réussir ce test d'évasion. Si je ne réussis pas, ben, je vais dépenser les indices. Je n'ai pas le choix. S'il vous plaît. Oui, c'est réussi. Oh, je suis content. Oula. Parfait. Il termine son mouvement. Il s'enfuit, la chagotte passe à côté. La chagotte n'a rien vu. Il termine son mouvement dans la cabane à noir. Et à la cabane à noir, ben, il rencontre la sorcière. Sorcière, résistance magique. Oh, non. Qu'est-ce que je viens de faire là? Elle a une résistance. OK, une résistance. Donc, elle n'est pas... OK, je sais ce que je vais faire. Je vais lancer deux sorts. Des sorts qui me... OK. J'ai pas le choix parce qu'il y a une résistance magique, donc je divise l'effet de mes sorts par deux. Oula. Bon, OK, aucun test de d'horreur, mais moins trois en... Ouais, moi, je me sauve d'elle aussi encore. J'essaie de me sauver d'elle. Ouais, peut-être, ce serait pas fou. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de me sauver d'elle. Mais nous, ça me fait mal, ça va faire juste un dégât. OK? Je suis capable de le prendre. Donc, je vais refaire encore un test d'évasion. Voir si je peux me sauver de la sorcière. Et ça fonctionne aussi. Eh bien, j'ai un peu de chance ce soir. Ça commence bien. J'ai eu des succès pas mal, j'avoue, là. Donc, ils vont me mettre en arrière. Il est près du portail. La sorcière ne l'a pas vu. Il va bientôt rencontrer le portail. Bon, mais ça, c'était les mouvements dans Arcane. On va faire les mouvements dans l'autre monde. En commençant par Mandy, qui s'en vient ici. Et Kate, qui s'en vient au plateau de Laigne, ici. Voici pour les mouvements dans l'autre monde. Maintenant, on fait les rencontres Arcane. Rencontre Arcan, Daryl. Mais Mandy, on va attendre, c'est dans l'autre monde. Donc, Daryl, lui, va prendre 2$. Et on lui redonne sa santé mentale. Donc, il retrouve tout sa santé mentale. OK. C'est tout ce qui se passe pour lui. Dexter, ben lui, il fait la rencontre du portail. Donc, il s'en va à Yugot, ici. Et Kate rencontre le portail, donc elle va essayer de le fermer. Elle a, donc c'est moins 1. Elle a 5 en savoir, plus son atelier qui donne 1 de plus. Donc elle lance 6D, moins 1, 5D. Elle lance 5D pour pouvoir fermer ce portail. Ah oui, 3 succès, c'est plus que suffisant. Super. OK, portail fermé. C'est un portail losange. Donc, les monstres losanges disparaissent. Et celui-là s'en va. Retourne dans le sac. Est-ce que j'ai d'autres losanges? Je ne crois pas. Ici, même ici, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Je n'avais que lui, mais juste le chagot, c'est bien assez. Je suis bien soulagé qu'on ne l'ait plus dans les pattes. Maintenant, Kate, elle a un trophée de portail. Intéressant. Un trophée. Ah, j'accroche tout, mais c'est incroyable. Bon. Malheureusement, elle n'a pas 3 indices. Elle n'avait qu'un. Elle a pu céder. C'est vraiment dommage. Bon, elle a combien en monstre? Elle a juste 2 ans. OK, c'est pas... Mais ce qui serait bien, je pense, avec son trophée de portail, si elle pourrait venir ici pour bénir quelqu'un, ça serait vraiment bien au prochain tour. OK, Kate, elle a fait son rencontre à Arcan. On est rendu... Daryl l'a fait. On est rendu à des rencontres dans l'autre monde et c'est Mandy. Mandy, qui est dans la cité de la grande race, donc elle va faire une rencontre avec une carte verte ou jaune. Verte ou jaune. Rouge. Bleu. Vert. Cité de la grande race, c'est quelque chose. Ouais. Vous vous trouvez dans un ancien temple abandonné.
Réussir un test de chance, elle a 2 en chance. Test de chance moins 1. Pour trouver une statue dorée valant 10$, mais si vous la prenez, vous êtes maudit. Ah ben, c'est que non, non, c'est bien. C'est bien, je vais laisser ça là. J'ai pas l'intention de peut-être maudit pour 10$. Mais vraiment pas. Et c'est Dexter qui rencontre, qui est à YouGov, fait une rencontre bleu ou jaune. Vert. Rouge. Rouge. Bleu. You got. Ben, là aussi. Vous, le rayon outrange vous donne le vertige. Réussissez un test de volonté. Moins 2. Ou perdez un objet à votre choix. Bon, volonté, lui, là, okay, c'est, il perd. Il perd de toute façon. Ouais, il le perd. Puisque. Puisqu'il a 1 en volonté présentement. Le 1. OK. Bon, il ne réussira pas, c'est sûr. Vous perdez un objet de votre choix. Bon, mais qu'est-ce qu'il va perdre? Le dernier ou le signe des anciens. Je pense que le choix est assez... Est-ce qu'il y a un sort contre comme un objet? Je ne crois pas. Dernière, j'ai pas vraiment le choix. Je peux pas perdre ça à l'incinérant ancien, c'est catastrophique. Bon, ben, j'autorise de le perdre, là. C'est le seul qui me cause pas trop de problèmes à perdre, malheureusement. Malheureusement, bon, ben, ça termine les rencontres. Tout le monde a servi ses rencontres. Plus que 2 portails. Ouais. OK. Allons-y pour la phase mythe. Espérons que ce ne sera pas une carte environnement. Non, ce n'est pas une. Bon. Squad d'indépendance. Il n'apparaît pas de portail là puisque je l'ai scellé. Donc, c'est merveilleux. Et aucun jeton sur la piste du destin. C'est encore mieux. Un indice apparaît l'innommable. Ben là, tu as 2 indices à l'innommable, puisqu'il y a un fantôme qui est là aussi. Fantôme qui garde les indices. Très bien, je m'en occupe du fantôme à un moment donné. OK, les monstres, barre oblique, triangle, étoile, et ça ressemble beaucoup à l'autre carte d'avant, et hexagone. Bon, moi j'ai des ronds, j'ai barre oblique, j'en ai un. Ben oui, barre oblique, c'est le fameux Gug qui bouge sur le blanc. Donc le Gug s'en vient au quartier sud. Là, il m'énerve parce qu'il m'empêche, Kate d'aller à l'église. Ça, c'est pas cool, mais vraiment pas. Losange, j'ai ici, j'ai mon poids libre volant, mais comme qu'il n'y a personne dans les rues, donc il reste dans le ciel. OK. C'est tout. C'est tout ce que je vois. OK. Un flux de pouvoir étrange se propage dans la ville. Tous les investigateurs et les ondes des autres mondes peuvent immédiatement revenir à Arkham. Ah ben, hey, je pourrais gagner la partie direct. Je pourrais gagner la partie. Ça me pourrait me faire gagner la partie, ça. Tous les investigateurs reviennent à... Ben, écoutez. Écoutez. Elle, va aller... La cité de la grande race. Tantôt, j'ai oublié de mettre un petit jeton exploré en dessous de. Pour pas oublier de faire ça. Et lui, il revient à YouGov. Ben voyons donc. Écoutez, c'est merveilleux ça. Puis, on fait les portails là. On a gagné. Ben c'est vraiment. Ouf! Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ben, c'est merveilleux. Ben, parfait. Ben, une carte de mythe qui, enfin, qui m'a été bénéfique. OK, ben, voyons donc. Ben, c'est parfait. Donc, le premier joueur maintenant, c'est Daryl. Bon, Daryl, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec lui? Lui, il y a des monstres pour un total de 3. OK, c'est pas vraiment... Je ne peux rien faire avec ça de toute façon.
Est-ce qu'il va aller voir le fantôme pour aller chercher des indices? Fantôme qui est quand même pas mal costaud, hein? Moins 2, ça lui prendrait la volonté, beaucoup de volonté. Il y a plus 6, hein? Mais là, non, non, c'est vrai, il y a aussi immunité physique, ça lui prend une arme magique, puis il n'y en a pas. Donc le fantôme, c'est non, c'est pas pour Darrell, mais pas du tout. Oui, on va l'amener où, lui? Je pense qu'on va l'amener. On l'amène au quai. Je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passerait au quai. Donc, pour aller au quai, c'est 1, 2, 3. Il a déjà 3 en mouvement. On va le laisser comme ça. On va juste augmenter sa vigueur de 1 ici. Ah non, 4. 4, c'est beau. Une mitraillette quand même. C'est pas rien, là. OK. Donc, lui, Darrell, on ira OK. Dexter, ben, il bouge pas de là, mais il va fermer plutôt, là. On va plutôt bouger ici son savoir. On va mettre son savoir. Ben non, même pas besoin. Il va fermer avec le signe des anciens. Donc, il va perdre un santé mentale et un en résistance. Donc, ça, c'est bien. Mais je vais quand même le mettre ici. Quand même le mettre ici. OK. Kate, ben là, je voulais l'amener à l'église méridionale, mais ça se fera pas. Le trafic de portail, là, les portails, le trafic de portail, il faut que je les garde, puisque j'en ai besoin d'en avoir 4 pour gagner les conditions de victoire. Si je peux réussir à gagner, à fermer tous les portails, si je réussis. Il y a toujours un si dans ce jeu-là. Juste que ça me dit que, juste faire sûr que je ne manque pas rien du tout. Où es-tu? OK. Fermer l'année de portail du plateau. Les joueurs doivent avoir un nombre de trophées portail supérieur ou égal au nombre de joueurs. 4 trophées portail. J'en ai 2 présentement. J'en ferme 2, ça en fait 4, c'est correct. Donc, je ne dépenserai pas de trophées portail pour rien. Donc, Kate, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Ce serait. Bah. D'aller dans un lieu qui est lieu tranquille, là, Kate, on va l'amener à. On va l'amener à une distraction, pour plaisir. 1, 2, 3. Ça va, avec une motocyclette, elle n'a pas trop à s'inquiéter. Quoi qu'elle pourrait aller buter ce satané. Ah, juste me faire plaisir, aller buter le fantôme, là, ce serait tellement jouissif. Moins 2. En volonté, ça risque de moins bien passer. Ouais, là, elle pourrait prendre. Ouais. C'est parce que faire un sort, elle perd la santé mentale, faire pour lancer le sort, puis après ça, elle perd. Elle perd aussi, si elle ne réussit pas le test, elle a 5 en tout. Il faudrait qu'elle ait 4. J'ai tellement le goût d'y aller. Je pense que je vais l'essayer. Genre, je vais monter sa volonté ici à 3. Puis, à son mouvement, elle a 2, mais avec sa motocyclette, elle s'y rend sans problème. Donc, Kate va aller là. Mandy, il va fermer le portail. Elle va fermer le portail avec son savoir, comme je vous disais. Elle met à 4. Et Dexter va le fermer avec son savoir, lui aussi. Il est à 5. Ça va. On laisse ça comme ça. OK. Darryl, je te disais que toi, tu allais aller où donc j'ai déjà oublié. Ah, OK. OK. Bon. 1, 2 et 3. Après ça, Dexter ne bouge pas. Kate, 1, 2. Là, elle va plutôt décharger sa motocyclette. Elle gagne 2 points de mouvement. Plus 2, ça fait 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et elle rencontre le fantôme. Bon, elle a
3 en volonté. Donc, elle lance un dé et si elle ne réussit pas, elle perd 2 en santé mentale. Je disais qu'elle lançait quoi? Un dé? Ouais. 3 en volonté. Il y a moins 2. OK. Puis, elle a, qu'est-ce qu'il y a quelque chose pour monter sa volonté? Ah oui, elle a plus 1 ici. Plus 1. Donc, elle lance 2 dés. OK, c'est mieux. Elle réussit avec un 6. Parfait. Donc, elle réussit le test d'horreur contre lui. Et là, elle va la faire son sort. Quoi qu'elle a une lame enchantée. 4. Une lame enchantée qui fait 4. Elle a 1 en vigueur, ça a 5. 5 moins 3, elle lancerait 2 dés, elle a juste besoin d'une touche. Sinon, elle perd. Non, si elle ne gagne pas, elle. Non, il faut qu'elle gagne. Elle a 1 en vigueur, donc elle a 1 en vigueur, plus 1 avec son allié, ça fait 2. Plus 4 avec sa lame magique, ça fait 6, moins 3, 3. OK, elle va y aller comme ça. Elle ne lancera pas de sort, elle va lancer 3 dés. Et oui, espérons que ça va fonctionner. 3D. Non, ça ne fonctionne pas. Elle va dépenser un indice pour relancer un dé. Et ça fonctionne. Donc, on enlève son indice. Ouf, ouais, c'était chaud, vraiment. Donc, elle a battu le fantôme. C'est enfin, on l'a dégommé. Dans mon autre partie d'avant, je ne l'avais pas touché, ce fantôme-là. Donc, je suis content, je fais les choses différemment. C'est son deuxième fantôme qu'elle a battu. Et elle prend les deux indices qui sont là. Parfait. Donc, bien travaillé, Kate. Vraiment. Vraiment, bien là, c'est l'heure de vérité. Pourquoi j'ai fait jouer Kate et pas Dexter avant? C'est étrange, ça. Ah non, okay, ça c'était la phase mouvement. OK. Kate et Mandy. Ben Mandy, elle ne bouge pas de là. OK, ben là, on est rendu dans les rencontres. Daryl va rencontrer et va aller dans les quais. Donc, il va prendre 2 cartes. Sa capacité spéciale, là, sa capacité avantage de l'Autochtone. On va prendre 2 cartes, on va choisir laquelle qu'on veut bien, qui nous avantage le plus. Bon, allez, OK. Ici, qu'est-ce qui se passe? On va faire un test de chance, moins 1, pour piocher un sort. Et là, un test de vigueur, plus 0, 3$ par succès obtenu. Si vous le ratez, le patron est fatigué de vous voir paresser et vous jette dehors. Perdez une résistance, allez dans la rue. Ouais. Mais on lance 4 dés quand même, hein? On lance 4 dés. Je vais le faire. Je vais faire la thèse de vigueur. 3$ par succès obtenu, je lance 4 dés. OK. Soyons ça. $3 par succès obtenu. J'ai un succès, donc $3. Il a 2, donc on va lui donner un 5. Voilà. Ça, c'était Daryl. Maintenant, on est rendu à Dexter. Donc, Dexter, c'est très simple. Très, très simple. Il ferme le portail avec le signe des anciens. Il utilise le signe des anciens. Et comment ça se passe? Je sais juste le mettre de côté, lui. Il va perdre 1 en santé mentale et 1 en résistance. On va lui remettre 2 en résistance. Et voilà. Il a perdu santé mentale et résistance. Et on va prendre un petit jeton ici et on tourne de côté et on va le mettre. Voilà.
La cabane à noir, c'est scellé. Et là, ce qui est vraiment super bien avec celui-là, c'est que tous les monstres ronds disparaissent. Monstres ronds, il y en a quelques-uns. Hein? Il y a les sorcières, les deux sorcières. Elle-ci aussi. Retourne dans le sac. Il y en a d'autres, je sais. Il y en a d'autres ici. Le Migo. Le Biaki. Et c'est tout. Quand même, quatre monstres qui disparaissent. Ça, c'est pas rien. Ça baisse beaucoup. Donc, maintenant, j'ai plus que le Gug. Le seul monstre qui reste sur l'année rue, c'est lui. Il y en a un dans le ciel. Puis trois dans la périphérie. On n'est vraiment pas en danger à ce niveau-là. Hein. Mais super! Dexter, t'as bien travaillé, t'as fermé le portail, t'as scellé le portail. On est rendu à Kate, à l'innommable, qui fait une rencontre à l'innommable. Qu'est-ce qui se passe à l'innommable? Vous tombez sur Eric Colt. Il vous raconte une histoire horrible sur le mythe pour éprouver vos nerfs. Si vous les écoutez, perdez 2 santé mentale. Si ça ne vous rend pas fou, prenez cette carte alliée si elle est disponible. Eric Colt, qu'est-ce qu'il fait dans la vie celui-là? On va aller le voir. Ça vaut la peine de perdre 2 santé mentale. Et voilà, cette personne qui nous raconte des histoires d'horreur. Donne la vitesse. Vous ne pouvez perdez pas santé mentale à cause de capacité de cauchemar, OK? Mais on perd la vitesse. On s'entend que Kate en a vraiment pas besoin avec sa motocyclette. Là. Non, ça vaut pas la peine. Monsieur Colt, vous ce qu'on pourra faire aussi, c'est perdre 2 santé mentale. Prenez cette carte, allez, c'est non, mais elle est disponible. On ne peut pas prendre 3 pions aux indices. Hein. C'est pas disponible, on prend, mais comme elle est disponible, ben, je ne la prends pas. Je ne suis pas obligé de la prendre. Ouais. Si vous écoutez, non, je n'écoute pas, c'est Baliverne. OK, ça c'était Kate. Et maintenant, on est rendu à Mandy qui va former le portail avec son savoir. Elle a 4 en savoir. C'est le portail avec un Moscato de 0. Donc, elle va lancer 4 dés. Et elle peut les relancer avec sa capacité recherche. Un succès seulement. Et un succès. Ouf, des 2-1 puis 2-2. Bon, ben, elle va utiliser sa capacité recherche pour relancer tous les dés qui ne sont pas des succès, donc les 4. Et c'est de juste. Hey, sur 8 dés, un succès. Non, mais ça. Ce jeu nous fait souffrir mentalement. Mais là, on espère toutes sortes de choses qui se passent. Oh là là. Je vous dis, là. Et ce jeu-là me stresse comme vous ne pouvez pas savoir. Bon, OK. Bon. Le portail est fermé, mais elle va le sceller aussi. Tant qu'elle va dépenser 3 indices, puisque c'est à cause de 4 environnements. C'est 3 indices pour sceller un portail. C'est ce qu'elle va faire. Et on va prendre un petit pion ici, dans la réserve, et on va le mettre ici. Le 4e portail qui est scellé. Ça va bien, mais regardez, plus aucun portail sur le plateau. Donc, condition victoire réussie. Ça prend 4 trophées de portail maintenant. 1, 2, 3, 4. Et la victoire est là. Eh bien, mais vraiment, je suis content. Eh bien, c'est terminé un peu pas de la même manière, ben oui, que la première partie que je n'ai pas pu vous montrer en ligne, là, mais j'ai fermé tous les portails. Mais c'est intéressant, j'ai réussi à en sceller 4 aussi. Ah!
Puis de, ouais, ça s'est bien, c'est très bien passé. Donc, c'était énervant, mais ça, c'est la réalité d'une victoire. C'est que, donc, la plupart du temps en jeu, là, je dirais que mon tour ratio, c'est 50-50. J'améliore Clatin. Au début, c'était vraiment plus pire que ça. C'était comme. Je perdais presque toutes mes parties, mais à Clatin, on développe des stratégies. Hein. Une que je peux vous nommer rapidement comme ça, c'est de fermer les. De sceller le plus tôt possible, si vous pouvez, les lieux, la maison de sorcière, le squat d'indépendance, les bois et l'île inexplorée. Ça, c'est les quatre endroits qui apparaissent le plus de portails. Il y en a d'autres, mais ces quatre-là, la fréquence d'apparition de portails est vraiment plus élevée que les autres. Donc, on se donne des chances en scellant ces endroits-là. Ça va être, comme vous voyez, ce qu'est l'indépendance, ça m'a aidé. Je pense qu'il est apparu deux, trois portails. Ça m'a sauvé deux, trois portails, celui-là. Ouais. OK. Puis Kate, ben, vraiment intéressante avec son flux, son épisode de flux qui peut apparaître aucun portail où ce qu'elle est, c'est encore vraiment mieux. Ouais. OK. Fait que c'est voilà, ben, ça termine la partie en trois épisodes. Je pensais en faire quatre au début, mais ça s'est vraiment mieux passé que prévu. Fait que on fera une autre partie à un moment donné avec une extension, probablement de Dunwich. Celle-là, j'ai jamais joué encore, donc probablement une partie dans les prochaines semaines, dans le courant de l'année, là, quand il reste 3 mois, fait que ça va passer rapidement quand même. On verra. En tout cas, si vous désirez, mettez dans les commentaires, puis dites-moi si vous désirez une autre partie de ce jeu-là, ça me fait plaisir. Donc, voilà, on se revoit à la prochaine. Bye!